Libérer tous les détenus politiques et d'opinion de Mzab, Kamel Dilfra et ses co-détenus. Non au régime dictatorial. Non à l'instrumentalisation de la justice. Stop à la répression de nos frères Mozabites. On veut la libération immédiate des détenus agis. Kamlet Naras Aoud Lahkanwen, nous connaissons Mazian Gwendelan, Adeline Tamanwen, Sarah Marianne Aoun Serhanir Kullian. Aden Siouli ou Davou, Azaïri, Adasnini, Adidrak, il est détenu Imzaviyin, et Kethnaf de Linsen, et Kethnaf de Linsen. La seule chose que j'aimerais dire à nos détenus, c'est qu'ayez du courage. Ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment pour le bien de votre peuple, de votre population, et nous sommes de tout cœur avec vous. Donc, toutes et tous pour la libération de Kamel Dilfra et ses compagnons. Pour la cause du Sir des Maroons, Emmanuel est tout farnan, bidon le haq ou tenhak menu thnenni bata le haq nsen. ماذا بينا ما نولى نتوقف وهو ضد الظلم نطن أسنسيبا كان داني مع لاكوز نصم مصحي مارو كم تركب من غير العوج لا يتجور ميدنا دي سولن في الحق أطوط في الحباس لكان نقار نشادين وهو يغلب أنبد معاسن وسي وغني غيس إلا وتني غيس خسرني زون كاع ماشي لا غادي زون الجزائر غني الرز غنقيم ديما تاجنا نخلو داي ونشمر صلاح انا ماشي توغ فرنسا انا ماشي لا بعداس سنيني الا قيم حبسه كي غاز نتسرحن الفرحه طاسي ميدو سما رغورنا ميدو سما تعاون كما فوز ايوي طفنا الحبس دي غردايا اهاذ مكان ما نسوش ندو كيما نانو كوني سكا الحريصه ماذا كي صغورنا غما دي ثمور ثما دي ثمور غردايا اسف السن فلاس الوقت ودي ازن سرحن سلاش. Donc c'est la Fédération des Amazighs de l'Amérique du Nord qui organise l'événement. Communiqué. La Fédération des Amazighs de l'Amérique du Nord a été créée dans le but de rassembler et d'unifier les rangs de la communauté amazigh, résidant sur le continent nord-américain, loin de tout esprit partisan. Son objectif principal est de fédérer toutes les compétences et de canaliser toutes les énergies pour développer et promouvoir la culture et la langue amazigh. C'est par la conjugaison des multiples potentialités qu'une intelligence collective émergera et sera un vecteur porteur de la revendication identitaire. Nous vous invitons donc à nous joindre à notre fédération pour mener dans l'union et la fraternité le combat identitaire amazigh. Notre fédération est aussi au service des causes justes et se fait comme devoir de dénoncer toutes les atteintes aux droits et aux libertés des individus et des peuples. C'est d'ailleurs dans ce sens que nous avons organisé cette action pour soutenir nos frères mozabites injustement arrêtés et détenus par le pouvoir totalitaire algérien. Depuis 2014, la communauté amazigh mozabite vit une véritable tragédie humaine. Elle est prise dans une spirale faite de violence, de sang et de terreur. Des dizaines de personnes ont été sauvagement assassinées au sabre ou froidement abattues au fusil par des hordes criminelles. Ces violences à répétition survenues à Boumédiène, à Ghardaïa et à El Grara ont aussi fait de centaines de blessés et causé d'importants dégâts matériels. Beaucoup de maisons et de commerces ont été pillés et incendiés. Des mausolées ont été détruits et plusieurs familles ont été poussées à l'exode. Dans ses droits les plus élémentaires à pouvoir exercer sa culture et à pouvoir vivre dignement dans cette culture-là. Nous sommes ici aussi parce que notre identité nord-africaine nous lie à ces populations-là du Mzab. Nous ne pouvons pas nous considérer comme étant une partie indépendante de ce monde-là. Donc nous le traitons plus comme une partie de nous-mêmes. Nous appartenons, en fait, quand je vous dis on appartient au même peuple que le peuple du Mzab, c'est dans la dimension historique puisque nous appartenons non seulement au même peuple, mais à un peuple plus ancestral. Monsieur Rassil-Ounès, veuillez vous présenter s'il vous plaît, que tout le monde puisse voir le grand homme. Un grand homme avec un grand H. Quelqu'un de les années 70, Emilian Kenya, c'était très difficile. Mais c'était les premières étincelles d'une grande flamme que j'espère ne s'éteindra pas tant qu'on n'a pas notre liberté, tant qu'on n'a pas reconquis notre identité et surtout Tamazra Kensella. Alors, Kenya, j'ai un message à vous demander. Mais vraiment, à partir de maintenant, on va s'entendre sur une chose. Le Maghreb politique qui a été instauré en 1977 par Boumédiène, on doit l'enlever de la tête. À partir de maintenant, il a quand ils ont décidé d'appeler le Maghreb, c'est pour nous arabiser un peu plus, pour nous faire affilier au Moyen-Orient, donc au peuple arabe. Mais nous connaissons, on n'est pas des Maghrébins, on est des Africains, des Mazirons, et c'est l'Afrique du Nord. Donc, commençons à faire des choses comme ça, etc. Et bien, pour défier ce gouvernement-là, pour défier ces gouvernements-là, et bien, nous connaissons l'Afrique du Nord, oui, Mazra, oui, mais le Maghreb, non. A enfanté la haine de soi. La haine de soi a nourri le complexe du colonisé. Le complexe du colonisé a produit les ombres du ressentiment. Les ombres du ressentiment ont accouché des enfants de la violence. Qui suis-je? J'ai né en ma route. Je ne connais pas ma destination. J'erre tel un somnambule. Perdu dans les tourbillons du temps, je me cherche une bouée de sauvetage. Derrière, le désert me poursuit. Devant, le froid me menace. Où est l'horizon? Où est la langue de ma mère? Où est la religion de mon père? Où est la mémoire de ma terre? Où est l'histoire de mes aïeux? Où sont leurs traces? Où sont leurs empreintes? Il n'y a rien à l'école, rien dans les villages, rien dans les villes, rien dans les arbres, rien dans les masures, rien sur les tombes, rien ici, rien là-bas, rien partout. أغديد يذرار في اللي شتسفغ الأرزاق ستمولي الدل يرود المحناس يلا ربا ديتوادي يلا ربا ديتوادي أهذاو يوفات في اللي يرنا يسن البعض الناس الدرويش يزدرويش يزغور ذي الريحة سدي جربو في الناس يترو يتصدصى يتسوغ يتيلا يقار وردرويش غارة أعقول أعقون يسعقون يتسالي يطار يتساوي يتسرى وين يملرث ينتظم دوار هذه يصفغنون هذه يسلو الدنيا ذي الدار ورعوق الغلا. Donc, on tient à vous remercier du fond de nos cœurs pour la solidarité qu'on touche, qu'on voit, c'est quelque chose de, on ne peut pas l'exprimer dans des mots. Et ce qui dit, vous êtes tous bien liés, vous avez tous des liens solides avec notre terre, notre société, nos communautés en Algérie et en Nord-Afrique. Donc on est des Amazighs, on va rester des Amazighs pour la vie. Ce qui s'est passé dernièrement au Mzab, en particulier en Algérie, depuis l'indépendance, juste après l'indépendance, qu'on appelle indépendance, moi je n'appelle jamais indépendance parce que c'est une transition d'un pouvoir à un autre. On n'a pas eu l'indépendance jusqu'à date. C'est une transition des clones On nous donne des noms, on nous donne des scénarios, mais la réalité n'a pas changé. Ce qui s'est passé dernièrement en Mzab, ce que j'appelle, c'est quelque chose de marginalisation extrême des citoyens qui n'ont rien fait que, autre que d'aimer leur pays, d'aimer leur patrie et de travailler fort pour développer leur pays et tenir leur sort entre les mains. Donc, ce qui s'est passé, c'est injuste, on le sait tous, et je tiens à saluer votre présence ici et vos consciences pour cette solidarité, et on prie tous pour les prisonniers, soit en Algérie, soit partout dans le monde, les prisonniers d'opinion qui sont autres, des personnes simples qui croient à des idées pacifiques, mais malheureusement, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. C'est ça, ils payent pour la majorité d'entre nous.